Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Darkest Dungeon. Ça sera le dernier, je vais m'arrêter là pour ces vidéos. Alors aujourd'hui il y en a bien une, hein. C'est pas un truc, comment dire, c'est pas un épisode juste annonce, hein. Non, je vais vraiment faire l'épisode entier, on va aller jouer tranquillement ensemble. Mais après je vais m'arrêter là. Pour les vidéos, je reprendrai peut-être un soir sur un live et tout ça. J'ai pas décidé encore du soir auquel je m'y collerai, mais c'est prévu. Je pense que dans un futur plutôt proche, je me ferai des lives certains soirs pendant 2 à 3 heures. Mais bon, faut que je m'organise, que je voie, hein, parce que j'ai quand même une femme, donc je peux pas le faire quand je veux. Elle me regarde, je la taquinais là, c'était gratuit. Mais bon, j'ai pas encore décidé, donc voilà. Donc aujourd'hui pour la mission, on va tenter l'apprenti nécromancien. C'est une des quêtes, donc on va y aller. J'ai pas ma team la plus puissante, mais j'ai quand même une team très correcte de combattants assez assez violents, donc je vais me le tenter. Fury en first. Merci et le maître chien en second. Dismas en troisième. Et Cécile en troisième. Je pense que ça sera une bonne chose. C'est une mission plutôt difficile. Donc on y va avec... on y va avec ce qu'il faut. Je vais prendre 2 stacks complets de torches. Je pense que 12 de bouffe, c'est suffisant. 2 pelles, 2 clés. Du coup, j'en ai pris une autre. Et 2 eaux bénites, je vais en avoir besoin. Ça m'a coûté 3000 et des poussières, c'est très bien. Je gagne 4500, j'ai envoyé 2 soins. Pour être bien, il faudrait que je remonte au-dessus de 15000. Donc il faudrait que je gagne 7500. Et en gros, j'aurais soigné et remonté. Donc ça serait cool. Le nécromancien 1 sur 3. Donc là en plus, c'est une... comment ça s'appelle ? C'est une mission de l'histoire, donc ça me fera avancer. Qui a pu deviner quelque chose d'aussi insignifiant que les soubresauts de la patte d'un rat mort. Appuyez sur l'espace. Donc repérage. Oh. Ah, et en plus je ne sais pas de quel côté il est. Alors j'irai quand même du côté le plus loin. Donc j'irai sûrement de ce côté-là en premier. En espérant que je me plante pas comme une merde. On vérifie les techniques de chacun. Oui. Ouais, allez go. Let's go fight! Ils sont surpris. C'est à nous de faire le tour qu'il faut. Alors, précision, modification des dégâts, soit 20% des dégâts, plus moins 15 esquives. On va infliger, le but étant d'essayer de tuer l'autre au fond. Oh putain, manquait tout, j'y crois pas. Allez. Ça inflige, c'est cool. Maître chien. Saignement probable, ok. Étourdissement probable, modification des dégâts. Non, on va foncer, faut la buter. Et merde. À moi. Étourdissement, non. Modification des dégâts, jugement. Faut la buter. Oh, esquive. Sale enfant de chien. Ah putain, truc stressant de merde. Sacrifice des dieux anciens. J'ai résisté mais... J'ai résisté parce que j'étais déjà malade en fait. Incantation stressante, fais chier. Allez.
Ça va pas être bon, ça. On va commencer à soigner. Tout devient rouge. Voilà. On a besoin. On a besoin. Voilà, je peux pas. Voilà, la critique. Parfait. Tu n'as pas vu venir, hein? Arrêtez de prendre des coups. Voilà. Bouffon uniquement. Ok. Un truc qui sert à rien. Une torche. Vous récupérez une torche neuve. Voilà. C'est cool. Un combat ou un truc safe? Un combat. Oh non. Gobelet tentant. Arrêtez un peu, arrêtez. Moins 60 de modification de dégâts. Mais en précision, non. Normalement, je suis censé les toucher. Voilà. Taille du sépulcre. Du sépulcre. T'es plutôt doué, tu fais mal. Donc, maître chien. Alors, résistance. Chier. Oh, étourdi. T'as pas le droit. T'as pas le droit, putain. Faut vraiment que je m'en sépare dès le début, putain. Avance de 1, je suis obligé. Voilà. Destroy them all. Enfin, je crois que c'est ça qui dit. Alors, ça avait fait des dégâts, donc j'en profite. Fer de hache. Et on va en profiter pour tuer l'autre con derrière au fond. Voilà. Maintenant, ça, on n'a pas besoin de soigner tout de suite. On peut y aller. Voilà. Et on peut... voilà. Tout prendre. J'ai dit tout prendre. On va utiliser elle. Et on va utiliser de l'eau bénite, je pense. Pour bénir. Ah, l'objet n'a aucun effet. Et c'était un trésor caché. Ça lui remonte pas le moral. Ça me fait chier, j'aurais aimé. Allez, go. On ne sait pas ce qui peut arriver sur le chemin. Oh, il y a un piège. Je crois pas, quoi. Ok. Truc qui sert à rien. Bah encore un truc qui sert à rien. Non, j'ai dit je suis sûr qu'il n'y a rien de là, donc on va par là. J'espère juste ne pas me tromper et ne pas avoir fait tout ça pour rien. Allez, le verrou était piégé, bim. Bon, ça va, j'ai résisté. On a faim, mangez. Déjà. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ah, surpris. C'est plutôt une bonne chose. On va essayer de lui faire un max de dégâts à l'autre fond. 8. C'est pas si mal.
Je pense que je vais essayer de le buter avec elle. Donc on peut tenter ça. Voilà. Avec elle, on se fait un petit jugement. Oui, parfait. Voilà. Étourdissement. Étourdissement. C'est eux qui font quand même le plus mal. Donc on va essayer de s'en séparer dès le début. Ah, attraction. Quelle horrible force! Ouais, pourquoi j'ai pas voulu buter d'abord l'adepte acolyte? Je comprends pas ce que j'ai foutu. On va demander d'aller régler le problème de l'autre, voilà, le casse-couille derrière. On va taper fort sur celui-là. On espère que ça passe. Oui. Et tu tapes. Parfait. Alors, on va replacer et c'est bon. Ça c'est quoi? Est-ce que ça peut être intéressant? Bon, on va tester. Allez, l'objet n'a servi à rien. Eh merde, moi qui aurais cru. Moi qui aurais cru. Bon, ça lui a laissé avoir un bonus. C'est pas forcément... Ok, c'est vide. C'est pas forcément le pire qui aurait pu arriver. Là, par exemple, je suis persuadé que ça aurait pu servir. Ah non, mais pas de bonus. Putain. Oh, découpe-gorge quoi. Surpris, alors ça n'a pas forcément beaucoup de vie. Ça c'est l'avantage. Maintenant, toi t'as quand même besoin de te soigner pas mal. Toi, t'as besoin de taper pas mal. On a aussi besoin que tu tapes. J'aurais bien aimé un petit critique, sa race. Maintenant, est-ce que je soigne ou est-ce que je tape? Je vais taper. Normalement, je dois pouvoir tuer le premier. Voilà. Ça va le sortir de sa zone. Ah non, ça le sort pas de sa zone de confort. Fait chier. Ouais, c'est pas grave. Tir de couverture. Putain, mais... C'est abusé quoi, 10 de dégâts. Mais... Ah. Oh mais oh. Là du coup je vais devoir soigner à mort. Voilà. Voilà aussi. Crève. Merci. On soigne. Le but devait être de la tuer avec elle, donc voilà. On soigne. Voilà. Et tu viens taillader. Voilà. Et en plus, t'es heureuse. Voilà. Ouh. Ah oui, par contre, de l'or en vois-tu, en voilà. Un gros coffre, mais des gros ennemis. Fait chier. Putain, mais c'est abusé ces tirs de couverture. Faut que je fasse tir de
Bim. Hop là. Critique. Non. Faut que j'y aille. Putain, par contre, c'est pas marqué, c'est dommage. Faut qu'on se sépare rapidement du gros. Il fait beaucoup de dégâts dans mes souvenirs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de buter l'autre au fond. Ah, putain, un pré. Ça me soigne, donc je vais le faire. Voilà, bim, crame. Ouh, j'ai pris cher. Aïe aïe aïe. Est-ce que je tente ça? Non. Hop là. Hop là. Putain, ils infligent des dégâts. Hein. Ils tapent très fort. Allez, putain. On fait une percée, faut qu'on arrive à le buter l'autre derrière. Hop là. On bute, comme ça au moins l'autre il seul. J'ai pas léché la... Ah non, oui, non, léché la plaie, c'est pour moi. Donc on va se soigner, on a besoin. Les soins sont accaparés que pour l'autre. Voilà, on repasse en critique. Allez. C'est quoi? Saigne pendant... Allez, on va... Voilà. Et... Fais un critique, putain, que 3, c'est pas assez. Merde. Plus de fouet. Ouais. On reste sur du correct, mais ça en rajoute. Hop là. Toi, soigne-toi. Pas le choix. Toi, soigne et critique un peu. Et combien il est? 10. 9. Donc là il est mort au prochain qui joue. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Ok. Pas assez de place déjà. Un bouffon uniquement. Alors. On dégage. Mash click pour jeter. Voilà. Et ça, ce qu'on fait, c'est que c'est toi qui va le récupérer. Moins d'esquive, mais plus de dégâts. Voilà, c'est parfait. On va te mettre le chien. Famille, est-ce qu'il y a besoin de mettre une clé là? Je sais pas, voilà. Ah non, c'est bon. La clé ouvre le compartiment secret. Parfait. J'avais peur. Elle est mal. Et il faudrait... Ah, fait chier. Égoïste. Self-preservation is paramount at any cost. A handsome reward. Bride du journal d'un expéditeur condamné. Ça sert à quoi du coup ça? Qu'est-ce que je pourrais jeter pour récupérer ça? Blason. Est-ce que je peux jeter des blasons? Ouais, je peux jeter des blasons.
je sais pas du tout ce que ça apporte, donc autant en profiter. Oh. Ah, et moi j'ai arrêté de vérifier la lumière. Alors, on protège. On n'a pas le choix. On défonce. On défonce. Putain. Allez. Oui, on esquive, c'est parfait. On se fait soigner volontiers. On a besoin de vie. Parce qu'on est dans le caca. On va attaquer. On va attaquer. Faut que ça meure. Hop là. Faut que ça meure bien même. Voilà. Oui, t'inquiète, on va te laisser tuer. Oh. Grâce divine, non, tu soignes. Oui, critique. Putain, depuis le temps que je la demande. Voilà, et on met un petit coup. Voilà, elle fait du nettoyage, elle, la furie. Ok. Déjà, on a besoin de ça. Pas se permettre de laisser 975. 500... 250... 750... Qu'est-ce qu'on peut se permettre de laisser, de pas laisser? Je pense qu'on peut se permettre de retirer... ce qui me ferait chier, c'est que putain, je retire les émeraudes et que j'en reçoive une autre. Mais bon. Hop là. Allez, deux ennemis. Ah, ils sont surpris. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors. On va le soigner. Oui, critique. Alors, on y va gaiement, faut buter. Faut buter, faut soigner, faut taper, faut que ça y aille, j'ai besoin. Voilà. J'aurais aimé plus de dégâts, effectivement. Tir de couverture, ça race. Tir à bout portant. Ça m'avait fait mal la dernière fois ça. Alors, tir de couverture. Ça fait toujours aussi mal. D'accord. Arrête de dire des conneries. On va... Il est ici un petit coup, ça fait longtemps. Toi, t'as pas besoin de soigner, mais à la limite... Est-ce qu'on peut se permettre... Voilà. Ah. Même si c'est pas ce que j'aurais aimé. Normalement, tu devrais crever, du coup. On va faire ça. Putain, c'est pas passé. Mais il a eu quand même les bonus, c'est cool. Et on va charger quand même. Oh, parfait. À son tour, il meurt. Crave. Punition. Aïe. Oui, résiste. Prouve que tu existes. Ouais, mais ça colle au jeu, je trouve. Ça se passe pas trop mal. J'ai enchaîné les bons coups. Maintenant, un petit soin, mais plus de fouet, ça fait mal. Non, ça va. Il va avoir des saignements, par contre. Ouais, ça c'est le truc chiant. Alors... Arrête un peu. Mes prêtres, ils partent toujours en couille, mes vestales. Hein. C'est abusé, quoi.
Est-ce qu'on va arriver à t'étourdir? Voilà. Ça nous laisse un petit tour de repos. Voilà. On va aller soigner devant. On peut se permettre de taper. Voilà, on va faire ça. Comme ça fait saigner. Bim. Il se calme pas lui. Alors, on peut toujours tester. Moi je pense que ça se tente. J'ai quand même une chance que ça passe. Merde. Bon bah on va le buter. Maintenant, si on doit le buter. Voilà. Cursed champion falls. C'est quoi ça? Probabilité de la capacité de tournissement, moins 2 d'esquive. Ça peut se passer là. Ça peut se passer là. Putain, fais chier. C'est utile, c'est trop utile. Tant pis, je dégage ça. Je fais ça. Je dégage la clé et je fais ça. Mais ta gueule, tu l'as déjà eu toi, derrière. Non mais oh. J'aimerais bien qu'on mette le camp. Oh. Alors c'est pas des ennemis puissants. Normalement. Donc je devrais m'en sortir. Toi tu fais ça. Toi tu te soignes comme un grand. Toi tu tapes fort comme un grand. Et toi tu mets le reste comme un grand. Tu continues à te soigner. J'ai besoin que tu puisses protéger la furie en cas de problème. Carreau d'arbalète. Aïe. Bon, normalement je vais le tuer. Voilà. Fais chier parce que j'aurais bien soigné un peu plus longtemps. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Récupère la torche neuve. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy. Qu'est-ce qu'on tient de les cacher? Ah, je peux plus. Je peux plus. Bon, ce qui serait bien, ce serait le nécromancien là. Non. Putain. J'espère juste que c'est pas dans la dernière salle quoi. Mitraillage. Ça tape. Soignage. J'ai besoin sur la furie. Hop là. On va causer de l'étourdissement là. Voilà, c'est parfait. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parfait. Maintenant, j'aimerais... Oui. C'est parfait. On mitraille. On soigne, on fait un petit critique de nouveau, ça fait longtemps, qu'il n'y a pas eu de critique. Carreau d'arbalète, ça fait mal, ça fait très mal. On va t'étourdir pour le prochain tour, toi là-bas au fond. Coup de baïonnette, ça passe. Aïe, si ça fait mal. Non, ça va pas. Là presque deux de moins. Allez, il me faut du soin là. Donc, toi tu te soignes. 8. Donc normalement je devrais pas les tuer. J'ai besoin de passer ce tour à soigner. Voilà.
On va faire ça. Parfait. Passé. Oh putain, mais j'y crois pas quoi. Choix ma place. Tant pis, j'ai besoin de me soigner. Elle est étourdie, donc on va en profiter. Juste taper là comme ça par hasard. Voilà. Tu te re-soignes. Tu soignes. Et go taper là. Bon, je m'en ressors un peu mieux. J'espère juste que il est bien dans la pièce dans laquelle je me dirige. Ou sinon, ça on oublie, je vous le dis tout de suite. On oublie. Je comprends pas à chaque fois pourquoi ils prennent autant. Voilà, bim, le grand merci est testé. Craintif, super. Allez, dis-moi que c'est le nécromancien. Oui. Allez. On espère l'étourdir. Résiste. Griffe de la mort, super. Précision de base, est-ce que je ferais pas ça dès le début? Oui. On va y aller comme ça. On va augmenter ses dégâts. Tu chies pas dans la colle, tu soignes. Et voilà. Là, on va infliger saignement aux méchants tout en tapant fort. Là, on lui en met plein la gueule, c'est le but. Là, est-ce qu'on peut l'étourdir? Étourdissement, 75%. On doit pouvoir l'étourdir. Voilà. Très bien. Voilà. Nickel. Maintenant, combien t'as de vie? 10. Ça fait pas 10. Donc, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? On fait ça. On va lui en mettre plein. Faut qu'on baisse sa vie au max et le plus vite possible. On continue à soigner. On taille. Bim, esquive. C'est parfait, c'est nickel. Ton manque de concentration. J'ai esquivé, connard. Oh! Allez, craintif double. Ça chie dans la colle, c'est abusé. Allez, arrêtez, fermez vos gueules. Ouais, on continue. Critique. Critique, c'est parfait. T'es pas encore aussi loin. Alors, on va tester ça. On inflige des dégâts. Oui, c'est bon, on a compris. Oh. Faut que je passe en force. Griffe de la mort. Ça fait mal. Pourquoi tu le fais là? Allez, je m'en fous, je peux taper loin. Je m'en fous aussi, je peux taper très loin. Coup nocturne, ça c'est parfait. En taille sépulcre, ça me plaît pas. On peut aller entailler l'autre au fond. Ouais. Alors, sans faire exprès, je me suis pas rappelé qu'il y avait ça. Ah.
On s'en fout de ça. Hop là. Du coup, l'avantage c'est que je peux continuer à le taper comme s'il était en première ligne. Avec tous mes gars quasiment. Sans être plus emmerdé que ça. Putain, ferme ta gueule! Bim. Aïe. 3 PV. Allez, prochain, faut pas qu'il tape le premier, ni le dernier. Ah putain, coup nocturne. Ah non, voilà. Ouh! 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 Ah, fait chier. 6 pieds sous terre. Allez, 17 de partout. Alors, normalement, on va t'avoir buté là. Ah, bim, en plus, je finis sur un critique. C'est beau ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Allez, en possibilité de mort. Je le finis vraiment le tour qu'il fallait. Hein. Ah, c'est passé. Il se protège, quoi. Allez. Toi, c'est fait. Et... Ouh, 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 ouh. Tout le monde en mort imminente, c'est cool. On te soigne. Oh, critique, joli, bravo, j'applaudis. Ok, je peux pas faire ça. On fait ça alors. Derrière, on va soigner le first. Derrière, on tatane sa gueule. Et après, on va te soigner un peu. Ce serait dommage que tu meurs. Eh ben, il t'en veut. Je sais pas ce que tu as fait. Fallait peut-être pas insulter sa mère. Hein. Je dis ça. Allez. Bim. Heureusement que Dismas, il est là. Hein, parce que qu'est-ce qu'il a défoncé? Pierre uniquement. C'est un bandit. Pierre de vitesse. Coma. Vitesse plus 1. Voilà. Et pierre uniquement. J'ai pas de pierre dans ma team. Donc en fait, je peux pas l'utiliser. Et ça me sert à rien. Donc tant pis. Et on retourne au hameau. On va dire que j'ai du mal à croire que j'arriverai jusqu'au bout, mais j'y suis arrivé. Alors, hein, on va pas jouer les héros. J'ai eu largement le pognon qu'il me fallait. 10 000, 11 000, j'ai eu 11 000. Donc je suis pas à plaindre, à part que j'ai tout le monde qui est parti en vrille et qui... Voilà. Anémie, tueur d'humains, peur des horreurs, kleptomane. Ok, super. Ils sont tous ouais, kleptomane. Voilà, j'ai tué l'apprenti nécromancien. J'ai plus de gens sains dans leur tête. Ils ont tous vrillé. Ils ont tous des problèmes. Et quand ils te parlent, ils ont des petits spasmes de la tête sur le côté. Non, j'ai pas peur. Alors, vous voyez pas, hein, mais j'étais en train de mimer le mouvement. Bon, ben voilà. Ça va clôturer le dernier épisode sur Darkest Dungeon que vous aurez en vidéo découverte. Vous en aurez peut-être d'autres sur Twitch par la suite. Parce que c'est un jeu que je peux facilement streamer.
Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde!